Et salut à tous les amis, c'est PFR Games FR. On se trouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Masters avec le Paris Saint-Germain où on affronte aujourd'hui l'AS Saint-Étienne et juste après Dijon. Alors j'ai passé le niveau difficulté en Superstar pour voir ce que ça donne. Alors voyons l'équipe: Mbappé, Ronaldo, Torres, De Bruyne, Darkspace, Chandler, Marquinhos, Hummels. Alors Marquinhos, je vais mettre Adil Rami. Capitaine, on va mettre Mbappé. Chandler à droite, ouais, on va mettre Walker. Areola qui a une meilleure forme que Lloris. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? L'autre Torres. Eh ben, on va le mettre sur le côté droit. C'est parti. Allons-y. On y va. Et je crois augmenter le temps du match d'une minute. De 5 minutes la mi-temps, je suis passé à 6. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement. Ce match va bientôt démarrer. À l'affiche aujourd'hui, le Paris Saint-Germain contre l'AS Saint-Étienne. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce Allez, c'est rendez-vous de parti. football. J'ai en ma compagnie Darren On y Tulette va. et son regard décalé. Salut Darren. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on Ah va se non. régaler. Et le coup d'envoi a donc été donné. Petite question rapide. Qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Osons Mats Hummels. Il sera non seulement important dans la défense, mais aussi dans la construction du jeu. Il est... Quelle occasion, attention! Ouh, la frappe et l'arrêt d'Areola. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Hernandez. Ça démontre toute l'efficacité De de Bruyne. ses ballons en profondeur. Tout ce qui est manqué, c'est une meilleure finition. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Le ballon contré. Mbappé, Neymar. Le centre vers Torres. Mbappé, non. Oui. Attention à la frappe. Ça peut être dangereux. Et le but. Un peu à l'arraché. Le but de Torres, 90. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Ça a été à l'arraché. Le ballon contré plusieurs fois. Des défenseurs très finement joués. Et 1-0 pour Paris. Dans les rangs, qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Et il marque les premiers. Oh, qu'il est important ce but. Ils ont marqué ce but que les fans attendaient. Maintenant, ils vont devoir protéger leur avance. Bien servi. Ou attention, Selnez. Ça joue à gauche. Le bon centre. Ouf, bien défendu. De Bruyne qui dégage. Qui choisit le côté gauche. Neymar. Mbappé. Ça joue à gauche. Neymar. Voici Neymar. Ce ballon bien dosé. Ou vers Torres. L'autre Torres. Mbappé, non. C'est dégagé loin devant. Hernandez qui va centrer vers Neymar. La tête et l'arrêt du gardien. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Le Paris Saint-Germain pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là. Il cherche son coéquipier. Mbappé, non. Qui cherchait Se Torres. Déroule. Il l'a pas trouvé. La Saint-Étienne qui essaye de construire. Il ah, la coup faute. Ah. Le ballon pour Paris. Rami qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Rami, De Bruyne. Dark Space. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Ça passe ah, sur non. le côté. La belle interception. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Repiqué dans l'axe peut-être. La passe dans la profondeur. Ouh, attention, il est passé. Oh, quel arrêt d'Areola. Bien joué. Hernandez qui récupère. De Bruyne, Hernandez, Neymar, Darkspace, Kylian Mbappé, Torres, qui va jouer sur le côté gauche. Ah, c'était vers Torres, le ballon est perdu. Dans les rounds.
sanctionné par l'arbitre. Et la faute de Torres. Torres qui est passé, ce sera la mi-temps sur ce score de 1 but à 0. Les vestiaires avec ce petit but d'écart, rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. La récupération, et le ballon trop long, et Torres qui va lancer, Torres numéro 9 sur le côté droit. Ah non. Ouf, un peu d'air. Dark Space. Ah, qui cherchait Kylian Mbappé. Ça joue à gauche. Hernandez, le centre vers Torres. Et ce sera un 6 mètres. La récupération, Kyle Walker, Dark Space. Et Saint-Etienne qui a gagné son dernier match, on l'a vu, ah, grâce surtout au bon choix de son entraîneur. Vous savez, un match tient Dark Space, le bon pressing. Il suffit de faire le bon changement au bon moment. Et De Bruyne qui récupère, qui lance Torres sur le côté droit. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah, il y a faute, bien sûr. Rien à dire, carton jaune. Ah, le centre contré, ce sera une touche pour Paris. Rami, De Bruyne, Dark Space, De Bruyne. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Il mène, mais toujours. Ouh, attention, ballon sur le côté gauche. Vers le poteau de corner. Cabella dans l'espace. Ouh, heureusement qu'il était là, Unex. Torres, bon, c'est pas comme si Mbappé qui va peut-être changer d'aile. Voilà, vers Neymar. Longue ouverture en direction du poteau de Neymar corner. Qui ne reçoit pas le ballon mais qui ça était au pressing. Finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Ouh, le ballon par-dessus et l'égalisation. Quelle force de caractère. Et à mon avis, ils vont pas. Söderlund qui égalise. Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça. Un peu de tiki-taka et hop, c'est dans la boîte. Bravo. Söderlund qui en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. De Bruyne. Ah. Vient au bon moment. Et à mon avis, ils n'ont pas dit le dernier mot. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ah non. Mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Allez, allez, un petit peu d'énergie, le match est bientôt fini. Ils doivent jouer plus vite vers l'avant. Un ballon intéressant. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Et voilà, la mi-temps sur ce score de 1 but partout entre Paris et Saint-Étienne. Mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée, match nul. Pas de tir pour Paris dans la seconde période et on a 7 points d'avance sur Monaco. Et là, on joue face à Dijon.
Croyez-moi, pour le meilleur et pour le pire, son état de forme influence l'équipe. Étoile montante. Allez. C'est bien. On y va face à Dijon. Alors, est-ce qu'on a des joueurs? Non, on n'a pas de... On a Dark Space qui est en pleine forme. Là, on va mettre Yoann Gourcuff. On va mettre Pogba sur le banc. Kimpembe à place de Hummels. Et Mbappé capitaine. Ouais, Mbappé capitaine. C'est parti! Allez, on y va. C'est parti. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc Dijon contre le Paris Saint-Germain. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. C'est donc parti. Le Dijon FCO qui est de nouveau sur le pont, quelques jours seulement après son dernier match. Mais oui, mais vous savez, les joueurs, ils préfèrent jouer que s'entraîner. Hein. Non, le souci, c'est les baisses de forme, des blessures. Attention, le ballon sur le côté, là. Il est battu, joli tacle. Mbappé, Torres et ce pour Ronaldo. Il allonge vers Kylian Mbappé qui récupère. Et Kylian, c'était puissant. C'est un arrêt important. Quelle occasion pour Paris! Comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Le corner de Torres vers Dark Space. Non. Il décide d'allonger le jeu. Il a pris tout le monde de vitesse. Il écarte, il joue sur l'aile. Ça passe dans l'axe. Il peut tirer. Et le ballon capté par Hugo Lloris. Gourcuff. Paris Saint-Germain qui s'est Hernandez. Lors de la dernière confrontation Neymar. Entre les deux équipes, Mbappé. Torres. Qui lance lancé Mbappé. Vers le poteau de corner. Gourcuff vers Ronaldo. Non, dommage. C'est joué long. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Mbappé dans l'espace pour Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et Torres, ah non, faut que je contrôle. Conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Cette possession un peu stérile. La longue ouverture sur l'aile. Bonne lecture de la trajectoire. Il choisit la profondeur. Le ballon en profondeur. Ronaldo qui récupère. Plein axe pour Torres. Qui est passé, c'est bien. Il va frapper à côté du cadre. Ils s'en sortent bien là d'un cheveu. Dans la profondeur. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et Torres. Et le but de Torres en deux temps. Alors là, c'était une véritable offrande. Bon, je pense qu'il a un peu de réussite là, mais c'est aussi grâce à son Neymar pressing, qui récupère qui donne pour Mbappé. Et Mbappé qui offre ce ballon à Torres, mais qui a tiré sur le gardien. Mais 3 buts dans
Il a la chance que le gardien lui repousse le ballon dessus. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Ce ballon bien dosé, c'est bien donné. Marquinhos. Ronaldo. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Un ballon intéressant. Il peut frapper. Ouh. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Gourcuff. Neymar. Neymar. Hernandez. Piqué dans l'axe, peut-être. Par-dessus pour Mbappé. Oh, la faute sifflée. Alors, on va rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Il y a une première faute. Et puis là, la deuxième est grosse. Neymar, il va chercher un coéquipier dans la surface. Ça paraît plus simple. Il a différentes options. Laquelle va-t-il choisir? Ouh. Et c'est la mi-temps. C'est ce score de 1 à 0 pour Paris. Les entraîneurs rentrent en action. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un seul petit but d'écart entre les deux. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. C'est vrai, mais tout peut aller si la frappe de Dark Space, loin. Cadré, mais il était loin, très très loin. Ça joue à gauche. C'est puissant sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Kimpembe qui défend bien. Gourcuff. Ah, qui cherchait Neymar. À distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de... Ça peut faire mal. Ouh, le bon arrêt du Golioris là. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Dolejon qui cherche la profondeur. Dolejon qui met bien le pied. Ronaldo c'est pas étonnant, qui va avancer. Fait. Ronaldo qui s'infiltre, il va frapper. Ouh, précision. Ce genre de ça frôle le montant. Même à cette distance. Mais pas là. Le Dijon SCO qui procède à un changement. Il écarte le jeu. Le ballon pour Torres. Ah non. De l'arbitre, ah, sera un coup franc. Une faute. L'arbitre accorde ce coup franc. On est à l'extrême limite de la surface de réparation. Bon, ça pourrait être une belle occasion. Bon, ils seront décrochés s'ils encaissent. On va choisir le tireur. Oh! Le danger est écarté. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Frédéric Samaritano qui a marqué les esprits avec un but précieux au match précédent. Ouverture vers le poteau de corner. Et la touche pour Paris. De belles choses là. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. Exact. Ou attention. Pour l'entraîneur. Il s'impose physiquement. Et bien joué Dark Space, non, qui cherchait Ronaldo. Ça manque un peu de solution. Ça doit faire but. Deux coups de sifflet, ce sera une faute. Oh, la faute. Alors, ce sera un coup franc à la limite de la surface. Il frappe directement. Ouh. Thank you.
Bien joué ça. Bien servi. Il choisit de centrer. Et Ronaldo pour le contre. Qui va lancer Neymar sur le côté gauche. Oh, voici Neymar. Neymar. Ronaldo. Et le but de Cristiano Ronaldo. Magnifique contre de Paris. Après ce corner. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Non mais qu'est-ce qu'ils font là? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je sais pas moi, mais faites-vous des antisèches les gars. Cristiano Ronaldo qui s'est offert son 5e but de la saison. Et Keït qui rentre. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Il est fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sauter. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Il a trébuché sur cette intervention. Un long ballon. Mbappé. Et ce ballon sur l'aile. Ronaldo. Cristiano Ronaldo est bien placé. Il y a danger. Et Mbappé pour le 3e but parisien. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et la passe en retrait de Ronaldo qui vient tromper la défense. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Il y va tout seul. Il se recentre. Cameron qui veut se projeter. Ah, il cherchait Neymar. Frédéric Samaritano. Et voilà, la victoire 3-0 de Paris. Le match est terminé. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Que retenez-vous de cette rencontre? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Allez, et on a toujours 7 points d'avance sur Monaco. Et on jouera le prochain match en quart de finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Et bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde!